Et bonjour à tous, c'est Valfid. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle partie de Resident Evil. En quoi j'ai des choses à te vendre. Petite barrette d'or, un bleu velours. Trésor, une affaire bien conclue. Et reviens quand. Allez. Donc maintenant, il faut juste qu'on trouve le chemin pour progresser. Je peux péter les armures? Non, hein. Fermé. Ah. Il doit sûrement y avoir un autre accès vers la cour. Ah. Ah bah oui. Bien. Attends. Allez, Ashley. Oh, t'aurais pu mettre autre chose que des talons, ça fait mal aux épaules. J'ai besoin que tu m'ouvres de l'intérieur. Ok. Merci Ashley. Merci. De l'herbe. Parfait. Ça marche jamais, hein. Ah non, il m'en faut 17, c'est vrai. J'aimerais avoir un chargeur de Magnum plein de côté. Ok, alors ça c'est la suite de nos aventures. Ashley, pousse-toi. Voilà. Eh, sinon je le rate le loot. Flacon de parfum chic. Merci. Après, comme dans tous les Resident Evil, hein, je rejouerai encore et encore pour avoir toutes les armes, toutes boostées à fond et compagnie. Hein. Même si pour l'instant, on revend ce qui nous sert à rien pour on avoir mieux. Pouvoir continuer par là. Sois prudent. Ah voilà. Bonjour monsieur. Tu vas bien? Le pauvre. C'est pas une belle mort. J'ai nouveau été réveillé au beau milieu de la nuit par ces bruits effroyables provenant du sous-sol. Des bruits des griffes contre les murs de pierre accompagnés de grondements glaçants. Cet homme nourrit une telle haine qu'il pourrait détruire le monde. Il servait autrefois le seigneur du château en tant que bourreau, tout comme son père et son grand-père avant lui. C'est l'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar Serpentard. Même au sein de sa famille, il était différent. Il aimait sincèrement son travail et il le faisait bien. Il était doué pour torturer les autres. Eh ben. Son habileté ne tarda pas à attirer l'attention du maître, et lorsqu'il l'emmena dans les cachots, non, je ne peux écrire cela, c'est au-dessus de mes forces. Je refuse de me rappeler ce qui s'est passé là-bas. Il en va de ma santé mentale. J'ai reçu l'ordre de m'occuper de lui. Je dois le nourrir et nettoyer la crasse, tout en écoutant cette voix sordide chaque nuit. Je n'en peux plus, j'en ai assez. Je ne peux tolérer une nuit de plus dans ce château. Je partirai demain, aussi loin qu'il le faudra, pour ne plus entendre cette voix. Eh ben, t'as dû t'amuser, mec. La clé, je ne l'ai pas. Par contre, l'herbe rouge, c'est cool. Je crois que c'est là qu'il y a les monstres pic-pic là que j'aime pas du tout. Il y a des... Ah
clé des cachots. Elle est bien que t'as vu, voilà. J'ai pris ma gueule parce que je sens très mal lui. Il est mort. Bon. Exactement. Fou. Ouais, peut-être une autre manière de le battre, hein, mais... C'est à ça que sert le magnum, hein. Qui va rester mort. Raison pour les animaux. Ah, j'espère juste qu'il est bien mort le machin parce que... Bon, je vois pas escalader des échelles. Hein. Tout va bien ? Ça va. Du moins. Ashley ? Allez ! Alors sur la Wii U, quand vous avez fini le jeu, Ashley pouvait avoir une armure. Et l'armure c'était hyper pratique parce que du coup il pouvait plus vous l'enlever. Je peux pas prendre le vin. Mon personnage j'ai pas le droit de picoler, c'est nul. Donc c'est par là, il n'y a rien d'autre. J'entends une poupée, c'est une poupée ça qui fait ce bordel, non? C'est vrai qu'il y a toutes les poupées, j'ai complètement oublié le défi. Elle est là. 2 sur 16. La vache. Les vaffines qui se réveillent. Ah, il y a des poupées à buter. Wow. Vise un peu tout ça. Ah, il va me falloir les emblèmes. Je dois voir ce qu'il faut maintenant.
Parfait. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir un deuxième chargeur comme ça de côté. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Il m'en manque une. Il me manque l'épée de lui. Ça sert ça? Certainement pas à combattre. C'est seulement une réplique. J'avais pas compris. C'est cool. T'avais raison. C'est cool, c'est cool. Aïe. Qu'est-ce que vous faites avec des vipères dans le château ? Donne-moi ça. Ok, mais où est le serpent ? Attends, c'est la même pièce que tout à l'heure, non ? Un coup à gaspiller toutes mes balles. De toute façon, là, c'est le cerf. Mais qu'est-ce qu'il prend ? Surtout, essaye pas de faire ce que je fais. Moi ? Ça risque pas. Okay. Léon, par ici.
T'es où? Ah, voilà. Merci. Ça va pas ou quoi? Sauter sur des chandeliers. C'est quoi cette idée? Tu te prends pour ma mère? Ça, c'est un aigle. En fait, je vois pas où est le serpent. Moi, c'est pas grave. Ah, il est là. Salut, y a quelqu'un? J'aime pas cette pièce. De la drepoux. Moi aussi je sais le faire. Salutations, monsieur Kennedy. Putain, ça faisait longtemps. Je me suis permis d'organiser un petit divertissement. L'histoire du preux chevalier qui protège. J'aime pas ça. Pas ça du tout. Là, j'aime bien ça. Alors, tu me suis, hein? Bonjour, de la qualité, rien que... Alors, donne-moi 2 secondes. Ok, il n'y a que ça qu'on peut y insérer des choses. De la qualité. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu m'achètes ça, ça et ça, s'il te plaît. Merci. Et ça? Pas mal. Ça, je peux toujours rien acheter d'intéressant là-dedans pour mes armes. Ah, mon dos me fait souffrir. Oh. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Oh, rien. Ça, t'en auras pour ton argent, je te le garantis. Ok. C'est vrai que je pourrais racheter ça, mais... Tes armes, on commence à bien cerner tes goûts, étranger. C'est un travail qui demande de la fine. Reviens quand tu veux. Ouais, ouais, ouais. Peut-être falloir que je commence à mettre des sous de côté pour acheter un lance-roquette. Parce que le boss, quand on va affronter le minot, il est un peu chiant, de mes souvenirs. T'as mis ça là. Les parasites et leur écologie, volume 2. Il existe des parasites capables de contrôler leurs hôtes. Bien que ce soit un fait bien connu de la plupart des biologistes,
on ne sait pas grand-chose sur la façon dont ces organismes opèrent. Voici une liste de plusieurs de ces parasites. Le dicrocolium. Lorsque les larves de ce parasite migrent vers le ganglion nerveux sous-œsophagien d'une fourmi, ils altèrent son comportement. Quand la température baisse le soir, pendant les heures de pâturage, la fourmi infectée grimpe au sommet d'une plante et s'accroche à une feuille à l'aide de ses mandibules dans l'intention d'être mangée. Oui, comme ça, le parasite peut se reproduire et aller dans de nouveaux hôtes. Le galactosonum, c'est une tablette de chocolat blanche, quoi. Les larves de ce parasite se logent dans le cerveau de certains poissons, comme la céréole. Une fois infecté, l'animal remonte à la surface de l'eau où il nage jusqu'à se faire dévorer par des oiseaux marins. Eh bien, le leucoscolorionium, à tes souhaits. Les sporacites de ce parasite se développent dans les tentacules oculaires de l'escargot, où ils bougent comme des vers. Ils altèrent le comportement du gastéropode et le forcent à se déplacer vers le sommet d'une plante pour être bien en vue des oiseaux. Une fois avalé par un volatile, le parasite termine sa métamorphose et passe au stade adulte. Eh bien... Allez. Qu'est-ce que tu nous réserves, mon petit Ramon ? Non. Bon. Il me reste un chemin, c'est par là. Palin, palin, palin. Fais attention. Je sens pas du tout cet endroit. Ouais. Oh, ils sont nombreux. J'ai plus de grenades. Pas maintenant. Ailleurs, quand je change d'arme. Elle est passée où, Ashley ? Ça va. On prend ça, Palpatine. Ça va aller. Oui, je sais. T'en fais pas. Ah,
Alors. Jamais assez. Bon, donne-moi ça. Ça ne servira à rien, ça, malheureusement. Ici, je sais que c'est chiant, hein. Ma petite grenade du bonheur. C'est une fusil, c'est cool. Attends, tu vas me dire que je ne les touche pas de là? Je ne les touche pas, ok. Allez. Bon, c'est pas grave, est-ce que je peux éliminer celui-là? Parti je ne sais où. Bon. Il veut pas crever. Ça s'arrête jamais. Vous imaginez le nombre de trucs qu'il a fait que je lui balance? Il me reste 2 balles. Super. Ça devrait faire l'affaire. Je sais pas d'où il est sorti. On l'a calmé. Excusez-moi, je visite, vous le savez, comme d'habitude. Ça, c'est pour m'éviter que ça me pète à la gueule. Alors.
Viens, Ashley. Aïe. Je comprends pas où il est l'autre qui me tire dessus. Ah, là-bas. Pousse-toi ! Lâche-le ! Bon, les munitions, j'en avais des tonnes, j'ai plus rien. Aïe. Il est là-bas au fond. Ashley, est-ce que ça va? Ouais, merci. Ça va être dur, hein. J'ai plus de vie, j'ai plus de munitions. Super, t'as réussi. On n'est pas encore tiré d'affaire. Oh non. Il faut que je trouve des munitions dans ce genre de machin, sinon je suis foutu. Noir, c'est pas mal, c'est pas ce que je cherche. Est-ce que je pourrais fabriquer quelque chose avec? Il me faut des balles. Oui. Sentez que c'est la loose, hein, là. On n'a pas encore affronté les gros sujets en plus, là, c'est que des petits machins pour l'instant. Avec cette poudre, ça m'en fait que deux. Eh bah. La petite Ashley, on est mal barré, je te le dis. Thank you.
Fang. Ouais, c'est et un peu ton match, là, non, tu crois pas? Le problème, il est là. Oh, merci. Il faudrait du pompe. Ah, j'ai plus rien pour faire du pompe. Et j'ai pas la mitraillette. Bon. Bien. Compris. C'est même simple qu'il va falloir actionner les deux en même temps. Ça va aller. Ouais, je vais y arriver. Que nos mismos reciban tu... Léo! Je te couvre, t'arrêtes pas! Ouais, je sais, je sais. Je vais t'aider. Ouais, je sais. Pas suivant. Prends pas de risque. Vous me donnez toutes les poules qu'il faut sauf les bonnes, quoi. Eh, je sais, toi aussi. Ah, putain. Ce mec, il est venu l'enlever tellement vite. Reste pas là aussi, abruti. J'ai 12 balles. Il va falloir que j'utilise des du magnum si ça continue. Bon, il nous reste 9 balles, c'est tout. Eh, ils sont sympas dans le jeu, hein. Grippe à ceux qui volent leurs munitions, hein. Eh, merci Ashley, elle est bien avec moi. A survécu au piège de Ramon. C'est beau ici, hein. Grenade, c'est bien.
que j'ai assez de poudre. Bon, ça nous a rééquipé un peu. Est-ce que vous voyez un médaillon? Moi, je n'en vois pas. Je n'avais pas vu. C'est pour ça cette phase là quand Ashley a l'armure c'est mieux parce qu'ils peuvent pas la sauver, ils retombent à chaque fois. Ça vous laisse plus de temps pour viser, les dégommer, etc. Non mais ouvre-moi. Ah tu tousseras après. Toujours pas de médaillon bleu. Ça a l'air d'être ici. Ça va? Je crois. Oh, elle m'est tombée on dans les bras. Était pour elle. Comme toutes les femmes. Plutôt pour toi. Pauvre petite fille. Ça doit faire mal. Retiens-toi, mon enfant. Ashley. Ah bah oui, forcément. Attends. Eh ben, elle va pas être facile à sauver, hein. Bon, moi on a survécu au piège de Ramon de ta fraise. C'est déjà pas mal. Condor 1 aperçoit. C'est la merde. On s'est réfugié dans un château, mais j'ai été séparé des Glon. Aperçoit, j'entends mal. Tu me reçois? Bon. Est en route. Et merde, y'a rien qui va. Eh non, il n'y a rien qui va. Ben écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit playthrough vous plaît. N'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo. À abonnez-vous à la chaîne. À activer la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas à jeter un œil sur mes autres chaînes YouTube et mon Discord. Je vous mets tout le lien dans la description. Et nous on se retrouve très très vite pour d'autres aventures dans Resident Evil 4. Allez, bye bye les amis et portez-vous bien.